le fils de Marie, se laisse toucher. Le fils de Marie se laisse approcher. Le fils de Marie se laisse servir. Tout simplement pour te dire en ce matin, bien-aimé de Dieu, ne regarde pas à tes iniquités. Ne regarde pas à tes manquements. Ne regarde pas à tes bassesses. Mais avec Marie, désire tout simplement toucher, toucher notre Seigneur. Toucher ton Dieu qui ne veut que du bien. Qui te veut tout simplement et qui t'aime tout simplement tel que tu es. Et en ce matin, par l'intercession de Marie, et assistée de tous nos anges gardiens, de tous les saints et les saints du ciel, nous voulons tout simplement faire monter cette prière à Dieu. Seigneur, nous désirons te toucher. Seigneur, nous désirons te servir. Seigneur, nous voulons nous donner corps, âme et esprit pour ton service. Comme cette Samaritaine qui n'a pas regardé à gauche, qui n'a pas regardé à droite, elle n'a pas cherché à calculer tous les murmures qui se passaient autour d'elle. Elle est allée tout simplement. Elle a versé du parfum et avec ses cheveux a nettoyé les pieds de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est humble, qu'est-ce qu'il est doux, notre Seigneur. Comme cette femme à la perte de sang, qui ne désirait qu'une seule chose, toucher avec foi et espérance. Tel a été l'acte qu'elle a posé, et elle en fut guérie. Alors en ce matin, bien-aimé de Dieu, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore assemblés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-moi de te servir. Donne-moi de m'approcher. Donne-moi de te parler. Comme Marie m'approchait, donne-moi de te servir, donne-moi de te parler, donne-moi de m'approcher comme les apôtres te servir, donne-moi de m'approcher. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux être ton intime. Seigneur, je veux apprendre à te parler. Seigneur, je veux apprendre à te servir dans la vérité, te servir avec amour. Seigneur, je veux apprendre à m'approcher de toi comme il le faut. Seigneur, je veux apprendre à te parler comme il le faut. Te parler comme l'intime que tu es dans ma vie. Te parler comme l'ami fidèle que tu es dans ma vie. Et une âme en ce matin soupire à toi en te disant, Seigneur, apprends-moi à te parler. Apprends-moi à te toucher. Apprends-moi à m'approcher de toi. Apprends-moi à être ton intime. Apprends-moi à être ton ami. Seigneur, en ce matin, nous te prions. Je veux te parler comme les 12 apôtres, Seigneur. Je veux m'approcher de toi. Oui, Seigneur, je veux te parler comme il faut. Donne-moi.
donne-moi de te servir. Je veux demeurer, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence, m'approcher de toi, m'approcher de ton trône. Je veux tout simplement te toucher, te toucher, te toucher pour guérir. Je veux tout simplement, Seigneur, m'approcher de toi tel que je suis, m'approcher de toi comme la belle-mère de Pierre. Seigneur, je veux te toucher, je veux t'entendre me parler, je veux guérir. Simplement à ton toucher, simplement à ton toucher, simplement à ton toucher. Je veux te servir, réapprendre à être avec toi, réapprendre à être dans ta présence. Je veux tout simplement me laisser conduire par toi, par ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit, que tu me mettes dans le feu, dans ta fournaise, Seigneur. Parce que je veux tout simplement, réapprendre à être avec toi. Oui, Seigneur, réapprends-moi, réapprends à cette âme à te toucher, à te parler, à s'approcher de toi, à faire de toi ton intime, Seigneur. Comme la belle-mère de Pierre, Seigneur, nous voulons te toucher pour être guéri. Comme cette femme à la perte de sang, te toucher pour être guéri. Comme cette Samaritaine, Seigneur, te toucher pour davantage avoir la crainte de pécher contre toi, la crainte de te rejeter, Seigneur. Comme les 12 apôtres, Seigneur, être tes intimes, être proche de toi. Comme Marie, dans l'obéissance et l'humilité, être dans ton service, Seigneur. Telle est ma prière en ce matin, pour une âme qui crie à toi, pour une âme qui soupire à toi. Alors, Seigneur, comme toujours et comme tu sais bien le faire, qu'il te plaise de déverser tes grâces et tes bénédictions dans nos vies. Mais surtout, Seigneur, que tu aies compassion, compassion de nos âmes, compassion, Seigneur, de nos communautés, compassion, Seigneur, de nos familles et de nos foyers. Compassion, Seigneur. Alors, bien-aimé de Dieu, dans cet élan d'amour, dans cet élan d'abandon, dans cet élan d'humilité, laisse-toi tout simplement accompagner par ton ange et par le Saint-Esprit et par Maman Marie pour réapprendre encore à être dans les désirs et les volontés de notre Seigneur. Et je te souhaite de passer une agréable et sainte journée. Nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.